Hey yo tout le monde, c'est Keke Cinebras, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'heure du dimanche. Mon équipe, Ariama, Mamambo et Terraclop. L'heure du dimanche spécial, je suis pas dans le même fond que d'habitude, là, comme vous pouvez le voir au-dessus. Ce combat, il a duré une éternité, les amis. Et voilà, il a duré 73 tours. Il saute directement sur son Mamambo sur son Ariama. Je lui fais cacher clair quand même. Toute histoire de le mettre un petit peu hors du jeu si on a de la chance. Et ensuite, je fais un petit draco charge qui fait exactement pas mal de dégâts quand même. Il me fait close combat et je le tank tranquillement. Sa défense baisse, ça fait plaisir. Le casque bruc lui fait pas mal de dégâts. Là, je fais vitesse extrême pour être sûr de l'achever. Avant qu'il m'emmerde un peu avec son close combat. Voilà, là, 3 tours seulement pour faire un KO, vous allez me dire, c'est bon. Je fais le cage éclair sur ma Mamambo. Voilà, comme ça c'est fait, c'est pas des Pokémon qu'on a l'habitude de voir, donc mieux vaut les mettre hors d'usage dès le début. Feu follet, ça c'est très chiant, mais mon Dracolos, c'est bon, il évite l'attaque. Il utilise Draco Charge. Qui fait vraiment son effet. Il me fait toxique. J'évite une seconde fois l'attaque. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a les restes, donc ça c'est un petit peu relou. Mais je fais un Draco Charge, sachant que je suis plus rapide. Ça le défonce. Et voilà, plus qu'un Pokémon. Et mais ce Pokémon, les amis, c'était Rapclop. Il va résister 70 putains de tours. 67 pour être exact. 67 tours contre 3 Pokémon. Je foutais des hydroqueux. Ce bâtard, il savait que c'était fini. Donc il a fait des reflets jusqu'à ce que c'est chiant. Jusqu'à ce que ça soit ultra chiant. Le cache éclair. Dommage que je peux pas accélérer. Mais je le ferai peut-être. Je ferai peut-être un petit montage pour accélérer. Il fait reflet. Oui, pour augmenter encore son esquive, hein, pour rendre le combat exactement... non, je sais pas parler. Inutilisable, j'évite l'attaque. Non, lui, il évite l'attaque. Il est paralysé, je fais hydroqueux. Là, il évite encore l'attaque alors qu'il a placé seulement 2 esquives. En plus, 2 reflets. Feu follet, donc là, je sais pas parler. Là, ça sert à rien de continuer avec Dracolos, hein. Donc je switch, je sais qu'il va me foutre la mort avec son reflet. Je mets Farfadet du V. Franchement, j'ai risqué. Hein. J'ai vraiment risqué. Il est paralysé, il n'a pas pu attaquer. Donc ça, c'est cool d'avoir mis cette paralysie. Je fais demi-tour et il évite attaque. Ah, il va me faire un petit feu follet. Et voilà, c'est... Ce Terraclock est dans mon let's play sur Emerald Plus. Je fais demi-tour. Ça le touche cette fois-ci. Ça, c'est bien. Le coup critique en plus pour compenser un peu tous les tours d'avant. Et j'envoie mon Dracolos aussi. J'utilise reflet pour encore augmenter son esquive. Attendez, les amis, je reviens. J'utilise Draco Charge, il passe, ça fait plaisir. Je vais aller chercher 2-3 petits trucs. Il me fait brouillard, je crois, ça fait très mal. Hein. En plus, la brûlure. Donc, les amis, je suis juste allé chercher des petits codes online si vous regardez cette vidéo jusqu'à maintenant. Le coup critique encore, ça fait plaisir. Et là, il fait robot. Et là, et ben, ça m'a surpris. J'ai dit, oh là là, ça va être relou. Voilà, des petits codes online si vous voulez. Après, je souffre vraiment de la brûlure, ça me met un 15 PV. Là, je préfère switcher. Moi, je me suis dit... Non, je vais pas le laisser. Moi, je m'en foutais, je faisais quelque chose d'autre à la fois. Donc, j'envoie mon symbiose qui apparaît sur l'écran pour la première fois. Je fais choc psy, il passe, ça fait pas mal de dégâts, ça m'a fait plaisir. En plus, avec le sommeil, là, avec un peu de chance, j'aurais pu le faire très mal. 2 chocs psy qui passent d'affilée. Et là, il se réveille, malheureusement. On brono de Kurn.
pas très très bien. Et le choc psy, bon, il évite l'attaque tranquillement. Le reflet. On a combien de tours? On a une vingtaine de tours. Ouais, ça passe vite. J'utilise le choc psy, il passe encore une fois. Et il tanque quelques PV. Il l'avait anticipé un petit peu. Mais qu'il utilise le repos. Bien joué à lui, vite. Bien joué à lui parce qu'il aurait pu tomber dans la suffisance et puis faire un autre esquive. Mais non, c'est bien joué à lui. Je fais choc psy, ça passe directement. Choc psy, c'est vraiment pas mal. Je leur fais un petit choc psy des familles. Ça, il passe. Au repos, je crois que ça a plus de chances de marcher les attaques quand son Pokémon adverse dort. Il se réveille déjà et refait un petit repos. Il a raison. Franchement. C'est ce qu'il faut faire quand tu sais que choc psy, là, deux encore et ça l'aurait fini. Il évite l'attaque tranquillement. Je dis les acides armure. Parce que là, je me suis dit, si je continue à foirer, je sais que c'est ma défense qui augmente et pas mon défense spéciale. Donc ça ne sert à rien. Mais j'ai 32 sur. J'ai 32 trucs. De 32 PP. Donc j'ai dit, allez hop, je vais jouer sur les PP. Donc j'envoie mon Farfetch'd UV histoire de voilà faire un petit peu mal. Il utilise Ombre Nocturne. Donc là, je vais vous en profiter pour mettre des codes. C'est des boosters vigueur spectrale. Donc j'utilise Toxique, il évite l'attaque. Donc voilà, il y avait que ça à faire, mettre des Toxiques. Il utilise Ombre Nocturne, ça fait très mal. Avec le Feu Follet, le brûleur qui m'enlève 20. C'est 20 PV, ce qui me met à 7. C'était ma dernière chance de l'empoisonner, du coup, bah hop, je meurs. Mon Farfetch'd UV est KO. Donc j'envoie mon Symbios. Et j'utilise Acide Armure donc, pour le mener. Bah voilà, j'en ai pas mal. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ma défense augmente. Il utilise Ombre Nocturne. J'utilise Soin. Voilà, parce que j'ai 16 PP. On a une trentaine de tours, hein. Attends, je vois pas du tout avec leur feuille. Ouais, 31 tours. J'utilise Spoke Fort, ça n'affecte pas, mais c'était vraiment pour enlever les PP. J'utilise Acide Armure pour augmenter ma défense, même si ça ne sert à rien. Son esquive augmente. Moi, j'augmente ma défense même si ça ne sert à rien. Il fait encore reflet. Voilà, même si là, franchement, c'est un truc de fou. Le toucher, ce serait un véritable exploit. Là, il fait pas mal de dégâts, donc je décide de faire soin. Il utilise Ombre Nocturne. Je switch là, il fallait switcher. Pour tuer mon Dracolos. Voilà, son esquive ne peut pas augmenter. Moi, je vais mourir. Malheureusement, du labrouilleur, j'aurais préféré l'attaquer un peu de ses PP. Mais vous ne vous inquiétez pas, les amis. Mon Symbios, il fait le taf. Il fait feu follet. Mais non, mon gars. Il a corps sain. Son corps, il est sain, mon gars. Même s'il est brûlé, il s'en bat les couilles. Je fais soin. Histoire de récupérer des PV. Et je suis en train de trier mes cartes Pokémon au KLM. Pendant que lui, il fait Ombre Nocturne. Son esquive ne peut plus augmenter. On a fait environ la moitié de ce combat, je crois, ouais. Une quarantaine de tours, ouais. Il utilise feu follet.
Il fait repos, voilà. Pour user les pépés. Donc là, ça va être une battle de pépés, vraiment. Bon, c'est pas pépé, le pépé mémé. Lol, c'est le pépé dans Pokémon. Il fait ombre nocturne. Il fait ombre nocturne. Encore une fois. Voilà, mes attaques, ils échouent toutes. Donc, ça va. Un petit soin des familles. Voilà, donc là ça fait un petit combat nul à chier. Voilà, ça fait quelques tours, voilà, ça peut pas augmenter. Là ça stagne, mais vraiment. Là c'est un combat dégueulasse, hein, vraiment. Regardez ça! Combat de con. Ah ouais, quand même. À ce point-là. Ah ouais, donc c'est la fête. Mais regardez-moi ça, les gars, c'est un truc de fou. Je débute l'attaque alors que je suis déjà brûlé. Non. Mais oui. Ah le truc. Alors là, on va être au 60e tour au moins, ouais, 57, 58, ouais. Pour voir l'issue du combat, je vous ai pas spoilé hein, sur l'issue du combat. Vous devinez, là, dites-moi en commentaire dès maintenant qui va gagner. Voilà oh le reflet des familles. No way. Le soleil il est arrivé tellement. Tellement ce combat a duré longtemps. Il y a du soleil qui arrive. Alors, il est bébé de fini ce combat là, le combat dégueulasse. C'est un combat. Vraiment, franchement, c'est la première fois que je fais 73 tours. Là, il restait 7 minutes à jouer. Et ouais, 7 minutes seulement. Et là, les amis. Il me restait un petit soin que j'avais gardé en réserve. Et oui. Et là, regardez les amis, ce qui va se passer. C'est bientôt. C'est bientôt le carnage. C'est bientôt. Je le sentais. Mon acier d'armure tient la route. Ça fait plaisir. Là, on commence à craquer des deux côtés environ. Ça se voit avec Ropo qui n'a que 10 pp, même s'il les a augmentés. Et là, j'utilise mon soin. Et voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'attaque qui ont fonctionné. Et là, à mon avis, il était étonné. Et là, il n'a plus de capacité. Il utilise lutte. Vous vous rendez compte? À un truc près, les amis. Parce que là, j'ai utilisé repos parce que j'avais plus d'acide armure. Et là, je peux placer des soins. Et là, c'est la défaite, mon gars. Pourquoi c'est la défaite? Parce que non, il fallait utiliser des PP+, hein. Tu aurais gagné. T'aurais pas perdu ton temps, ta vie au coin combat. Eh ouais, les gars. Eh ouais. La lutte. C'est la première fois que je suis allé en lutte. En coin combat, je l'avais. Ah oui. C'est l'occasion jamais pour vous raconter quelque chose. Il m'est arrivé quelque chose de dégueulasse à la ligue. Alors, rien que d'en parler, là, ça me. Je suis arrivé à la lutte avec le dresseur Alders. Voilà, c'était pour XP mes Pokémon Dragofeu, Tortank et puis Florizarre. Voilà, là, le combat est terminé, j'ai gagné. Et il m'est arrivé un truc vraiment dégueulasse. C'est-à-dire qu'il a fait lutte. Je suis arrivé jusqu'en face, il fasse lutte. Moi, j'étais empoisonné, donc il m'a fait lutte. Il est mort. Et moi, je suis mort avec le poison. Alors, c'est égalité. Et non, parce que le Pokémon, c'est... Ah, t'as mis le Pokémon sur toi, est utilisable. Attention, parce qu'il y a d'autres sorts, il peut surgir à toi, et puis il peut t'attaquer avec les Pokémon, donc tu peux mourir. Donc, hop, avoir une sorte de Pokémon, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, le...
Pierre non plus n'avait plus de Pokémon. Donc c'est dégueulasse, c'est des trucs qui arrivent en Pokémon. Ça m'a fait chier, j'avais utilisé des hyper potions, des trucs. J'ai vraiment ragé. Je donnais en plus, tu donnes pas mal d'argent au vainqueur, à Pierre, à 14 000, je crois, un truc comme ça. C'est un truc dégueulasse, j'ai vraiment ragé. J'en pouvais plus, c'était. Le combat, elle a duré plus d'une demi-heure que j'étais là comme ça. Heureusement que je regardais l'ordi en même temps. Donc voilà, petite parenthèse, bref, pour ce combat le plus long de ma vie au grand combat. Salut tout le monde! Ah, bah ça veut plus s'arrêter.